Ok, c'est Hey, on avance, on avance. 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 Ok, c'est bon. Thank you.
mama. Je t'en maille, 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 je t'en maille
est une couleur féminine. Rose, c'est parce que c'est une couleur qui fait allusion à la douceur féminine. Et rose, enfin, ça fait une couleur de bonne santé. C'est en 1994 qu'une première campagne a été lancée en France. Vous vous rendez compte, il fait exactement 30 ans. Donc ici, en RDC, on n'est pas aussi très en retard par rapport à ça. Excellence, Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, les documents normatifs, notamment le cadre organique. Et à vous dire merci, parce que votre engagement, à côté de notre vaillant ministre et à côté de tous nos invités, en dit long. Notre ministère, a adhéré à l'initiative mondiale de lutte contre le cancer par an pour ainsi sauver 2,5 millions de vies d'ici à 2040. Cet objectif s'appuie sur un trépied, à savoir... Le titre et grade respectif. Je suis très content aujourd'hui de me retrouver ici devant vous pour parler d'un sujet qui est primordial pour mon ministère. Beaucoup de gens commencent à découvrir que le chef de l'État a déjà pris des engagements très sérieux au niveau de la santé. Je crois que beaucoup de gens pensaient à la gratuité de la maternité comme le premier élément que le chef de l'État avait déjà pris. Mais vous découvrez aujourd'hui que déjà depuis 2020, nous avons commencé à travailler pour pouvoir rendre un certain nombre de prises en charge de santé abordables à nos patients, abordables à nos concitoyens. Le cancer, notamment celui du sein, c'est un problème vraiment majeur de santé publique. Et comme disait Mme Aloukian, c'est dévastateur quand on vous l'annonce. Malheureusement, les coûts de cancer sont très élevés. Alors le chef de l'État, son excellence président, a trois étapes importantes. La première, c'est vraiment la sensibilisation. Comme aujourd'hui, cette marche permet que le monde entier, que le Congo entier, apprenne que le gouvernement est sensibilisé et il veut aussi sensibiliser la population au dépistage, à la surveillance et au diagnostic du cancer. Après la sensibilisation, ce qu'il faut aussi, c'est trouver les moyens de prise en charge. Et ces moyens de prise en charge, c'est en dotant le pays des structures de soins capables de répondre aux problèmes de cancer. Nous avons commencé, mais nous devons aller plus loin. Nous avons vu des défis très spécifiques, par exemple en visitant l'hôpital de Ngaliema, mais nous avons aussi déjà anticipé sur un certain nombre de structures de soins. Et je vous annonce ici qu'avec l'Agence de l'énergie atomique, l'Agence internationale de l'énergie atomique, nous sommes en train de lancer la construction. Universitaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec une profonde émotion et un sentiment d'espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui, au terme de cette marche symbolique pour la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, nous avons parcouru ce chemin, non seulement pour témoigner de notre solidarité envers celles et ceux qui sont touchés par cette maladie, mais aussi pour affirmer notre engagement collectif en faveur de la santé des femmes congolaises. En effet, comme l'a indiqué M. le ministre de la Santé, cet engagement vient de cette vision qu'a eue le chef de l'État en parlant de la nécessité d'avoir une couverture santé universelle pour la population congolaise. Et cet engagement a démarré non seulement pour la gratuité de l'enseignement, mais comme vient de vous le dire M. le ministre de la Santé, cet engagement a démarré auquel il faut accorder un regard très important parce que il y va aussi de la santé de nos concitoyens. Je voudrais ici indiquer l'engagement du gouvernement avec à la tête l'engagement du chef de l'État pour la prise en charge gratuite pour les médicaments et assurer qu'il n'y ait plus de rupture de stock parce que cela est important pour assurer que tous les malades qui sont pris en charge puissent bénéficier d'un traitement du début jusqu'à la fin. Afin d'assurer aussi une rémission. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, on va reprendre sa place. Et cela a démarré avec la prise en charge gratuite du médicament. Cette prise en charge gratuite des médicaments pour traiter du cancer de sein va évidemment être
assurer sur l'étendue du territoire congolais. Cela a commencé. À Kinshasa déjà, nous avons au moins 3 structures qui prennent en charge. C'est au niveau de la clinique Ganyema, la clinique universitaire, le centre Ngana, qui peuvent donner une prise en charge gratuite pour le traitement. Et il y a aussi tout ce qui devra être fait pour le dépistage. Et donc, en ce mois d'octobre, qui est consacré à la sensibilisation au cancer du sein, nous célébrons le concept d'Octobre Rose. Ce mouvement international nous rappelle l'importance cruciale du dépistage précoce et de la prévention. Chaque femme mérite d'être informée, soutenue et protégée face à un futur fléau. Mais pas seulement les femmes, les hommes aussi. Nous venons de la clinique Ngaliema, où sur 63 patients qui sont pris en charge, il y a 4 hommes. Et oui, les hommes aussi peuvent être victimes du cancer du sein. Et donc c'est important que toute la population, toute la communauté soit sensibilisée. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons nous rappeler que la connaissance est notre meilleure arme. En nous réunissant ici, nous envoyons un message clair. Le dépistage régulier peut sauver des vies. Je tiens à saluer toutes les initiatives sportives et éducatives qui se déroulent aujourd'hui. Elles sont essentielles pour sensibiliser notre peuple, nos pères et nos frères, à faire de leur santé une priorité. C'est vrai qu'au cours de ce mois d'octobre, nous parlons plus du cancer du sein, et comme l'a dit le responsable du Centre national du cancer, en février, nous pourrons parler du cancer de manière plus large. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, très chères autorités. Cette cérémonie est finalement terminée. Le protocole va conduire leurs autorités. Et les invités sur place peuvent rester pour le cocktail. Merci à vous d'être venus. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, on va reprendre sa place. À celle de la lancée des ballons, vos applaudissements, les chansons, c'est quand même une cause heureuse aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, j'ai fait le décompte. 3, 2, 1 et 0. Voilà, on peut applaudir. I guess.